Avec. Vas-y, relance le jeu. Bon, je vais attendre voir maintenant. Let's go. Donc ça va être du Duck Hunt. Ou du Duck Hunt. Attends, Grimm joue quoi? On est parti sur PS2. Une bonne map pour zoner. Et Bouddha, Louis Punish, c'est son dada. Donc on va voir comment ça va se dérouler. Ok. Est-ce que je veux qu'on lance une crédit? Je sais pas lancer une crédit, tu sais lancer une crédit. Changer une crédit. Ouh là là, tu me demandes des choses. Tu sais que je savais même pas qu'il y avait ça. Moi. Mais essayons. Déjà 61%. Cast. Déjà 61% pour Bouddha. Ça paraît compliqué pour l'instant, on n'arrive pas à punir. Et ouais, Spectral est hyper patient. Donc on n'arrive pas à wish. Ok, enfin oui. Non, je ne sais pas lancer de. On abandonne ? On abandonne. J'abandonne. Ok, dommage. Aussi bien pour ça. Ou à Ronnie. Eh, Ronnie, t'es modérateur là-haut. Et il fait plus partie. Il fait pas plus partie du staff TCT là. C'est pas cette game. Ronnie, je sais pas du tout. C'est pas si c'est bien comporté depuis. Ok. Du coup, Bouddha qui change, change son playstyle en fait, qui est obligé de passer d'un truc plus plus défensif à agressif. Wow, c'était pas ce gentil qui a connecté. Ah, ça a pas été plus long par contre. Avec les fesses de Wario. Grosse attache attaque dans le champ. Wow. Et ouais, César Dodge. Ça caste fort par ici. Ça caste complètement fort. Ça essaye de caster. Ouais. Pour l'instant, c'est Ivan. Hein. On fait comme on peut. C'est Ivan là, tu penses? Bah ouais, il y a un waft. Ouais, il y a un waft. Oui, enfin. Mais bon. Plus qu'on entend. On n'a pas tout. Ah, ok, première phase. Tant qu'il y a un waft. C'est déjà fini. Attends, moi c'est Ivan. C'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini. Ok. Peut-être le saut. Il est encore un saut? Il est encore. Qui depuis tout à l'heure, franchement. Ah, dommage. Bah, contre toi, il la mange, il la mange. Voilà. Si, mais je pense qu'en fait, il a tapé un poil trop. Ouais, clairement. Est-ce que t'as remarqué comment Bouddha il est vénère sur le ledge trap? Mais mec, j'ai passé un temps en ledge trap, c'était insupportable. Ah, là il prend la stock et c'est. En fait, j'ai l'impression qu'il réacte. Il peut réacte à tout alors que c'est des choses que. Wow. Mais là c'est Ivan, tu vois. C'est vrai que là, une bonne phase. Ah, mais il avait pas eu un très bon. Il est déjà chargé, il clignote le garçon. Ah, ouais, bah regarde, on a passé la barre des 5 minutes. Allez. Oh là là. Quand c'est plus la 5ème minute, c'est que le waft est dispo. Ah, mais il a attendu. Ok, il a attendu le B. C'est pas mal, c'est intéressant. Mais ah ouais, en 13%. En fait, Samus, t'as vraiment. C'est très fort, mais t'as vraiment envie de lui faire whiff ses conneries. Ouais. Le bouton gagné, là, le bouton FB, c'est insupportable. Ouais, mais en fait, si tu fais whiff son FB, elle est quand même un peu dans la merde. Ouais. Là, hop là, il a whiff. Ah, dommage. Oh, la plateforme, l'exécution. Ah, la pression. Il a tenté, il s'est raté. C'est pas grave. Ouais. Parce que s'il trouvait le FB, c'est pas possible. Là, je pense qu'il a whiff ça parce qu'il joue contre Spectral. Bah, parce que Spectral a bien réagi. Hein, ça fout la pression. En fait, je pense que Spectral a réagi, a vu ce que je. Je pense qu'il a raté. Bouddha aurait pu bait un peu. En fait, Bouddha a pas cherché à bait, il a vraiment direct sauté pour aller faire le lancer sur la plateforme. 180%, Samus. Alors que je rappelle que Wario est quand même un peu lourd à la base. C'est un. Des lourds, mobiles, sac. Tout. Ouais. Là, bon, il y a un. Ok. Petit lead pour Spectral, pour peu qu'on arrive à. Qu'on whiff passe au waft. Et là, on est à 1% du waft. Hein. Un bon. Oh, dommage. Sur le grab là. Et là, presque on a envie de le garder au waft. Hein. Là, on a envie de. Non, c'est bon, c'est bon. Oh, ça a été bien DI par Spectral. Good game. Voilà. Et bah là, ça va être complexe de revenir. D'accord, ça revient pas. Après, le ledge trap de Bouddha étant ce que c'est. C'est vrai qu'il a un ledge trap solide. Ah, mais là, on sort du coin. Aïe. Samus fout le fer. Ok. Ah, peut-être que ça va le bait. Non, pas de grave. Ok, pas mal le bifi. Ah oh, putain, c'est grave. La on l'attrape pendant qu'il est sur la moto là. Le grave bien confiant. Et là, la dash attaque qui tue pas. Quoi? Pourtant, il y a de la rage. Hein. Pourtant, l'épaule de Warlio était mal. 107%, non, 107%. Ok, il a dit non, c'est moi qui tape. Il savait qu'il allait taper, c'est bien joué de sa part. Décidément, Warlio qui ne mange aucun charge-shot. Il se les prend tous dans le nez. C'est fini? La rage? Oh là là, 130. PS2, hein. PS2, c'est un plafond un peu plus ouais, bas. Plafond bas? Ok. Donc. Sur un TC, ça aurait pas tué là. Sur Kalos ça aurait pas tué, c'est sûr. Sur Kalos c'est le plafond le plus haut. Ouais. TC, je sais pas. Ok. Kalos c'est connu pour être le plafond le plus haut. Donc si tu joues contre un mec qui tue que par le haut, ouais. Ça peut être une bonne idée de prendre Kalos. Ou si tu joues en heavy, tu vois. Ouais. A contrario, si toi tu penses que tu vas pas beaucoup tuer par le côté, tu vas avoir besoin. Ok.
Alors on va aller sur DF. Un petit counterpick là. Mmh. Alors, en fait, l'avantage c'est que DF, tu vois. Là. En fait, l'avantage c'est que DF, tu vois, les hobbits de Samus, il pourra pas faire comme il a fait tout à l'heure. Il pourra pas. Là, il va atterrir à l'endroit. Enfin, il pourra pas atterrir sur les plateformes s'il veut ou pas. Ouais. Là, si le hobby, il va atterrir à un endroit de merde et il va se faire hardpinch, tu vois. Mais est-ce que justement, c'est pas plus pratique qu'il y ait des plateformes pour esquiver ces hobbies pour jouer un peu un. Bah, c'est Bouddha qui a choisi la map, hein, donc ouais. Lui, il est content de prendre une map avec le plateforme. Je suis confiant là-dessus, ouais. Peut-être qu'il pourra, il pourra pas se faire douiller avec. Bah, je, en fait, sur au milieu. Il va pouvoir lui faire cramer ce billet hein, plus facilement, tu vois. Ouais, ah, c'est ça. Ah, après, c'est il va vrai. Aussi avoir un peu de mal à lente. Ça, c'est l'inconvénient. Waouh, 90%. Et waouh. Oh, le, la tech, elle est jolie. Comment je l'aurais pas tech celle-là. Et tu vois, il oh, va. Et ça connecte pas il ça va, connecte pas. Il va avoir un peu de mal à mix-up ses landings aussi. Bouddha, il a pris très cher là sur cette phase d'avantage de spectral. Ouais. Pas mal. Le Chong qui fait un bon monstrueux et qui est super bien utilisé par Bouddha. Oui. Alors on a essayé de trouver ouais. Mais en fait on a reconnu la situation par rapport à la game 1. On avait déjà eu cette situation game 1 et cette fois il a sauté. Oh là là, ah non, ça c'était beau pardon. Dance Romoto. Ouais, le fameux jab de Samus qui ne connecte pas. Ici ça fait des spaghettis. Ok. D'accord, il savait, bien joué. Finish. Là avec la rage on a plus besoin de gagner beaucoup d'interactions pour Bouddha pour tuer, hein. Faut juste pas mourir là. Là le plus important ouais, c'est de survivre. Là il faut tuer une bonne douille, un bon backer derrière la tête là. Et faire gaffe à celui de Samus. La dash attack là, je sens que ouais voilà. On cherche la dash attack. Ouais, la DI okay, ça va tuer. Non, il a la DI. Bien joué de sa part. Wow, suicide. Suicide de sa part. Non, parce que la moto protège. Oh, dommage. C'est trop. Ça là, on va pouvoir s'en vouloir hein, parce que. J'ai l'impression qu'on défendait bien, on tenait bien sa stock. Et... Il a fait trop d'action, un peu trop allé, ça va passer. One again, comme ils disent nos vieux. C'est dommage. Et un air. Ah, on se croit. Short shot. Spectral, il aime pas du tout jouer contre Wario. Oh, wow, c'est beau ça! C'est joli. Ouais. La moto qui sauve. Il n'est pas Wario. Et là, ouais. Et là potentiellement, encore une fois, dans 15 secondes, on a le Waft. Mmh. Et on peut prendre la stock. On peut prendre le lead. Voilà. Ah, là, ok. On peut qu'on. Parce que Gamma, on a Wii Fan Waft aussi. Hein. On rappelle, du côté de Bouddha. Si on met encore une vingtaine de pourcents, on va peut-être pouvoir faire quelque chose. Ah, là, avec la rage. Aïe. Ah, c'est bon pour moi. Bonne chance. Allez, bonne chance. Je vais prendre. Je vais pouvoir m'asseoir du coup. Bon, bah, on a. Ça va être... Non, ça ne tuera pas évidemment parce qu'on n'a pas encore assez de rage. Cette petite bombinette, le grave ici, on fera trop. Et pas de kilosaire. Et avec la moto, on va pouvoir recover du côté de Wario. Ça s'est bien fait. Ah, c'est dommage si on avait fait un up tilt. Je sais pas si le up tilt il pouvait passer ici, mais up tilt c'était le. Je pense qu'il était loin. C'était le waft. Hein. Ça tue. Le up tilt c'était le. Oh là, dommage. Là il y avait un meilleur punish à faire. On va le trouver ce waft. Mais on tuera pas la DI, elle est très bonne. Mais après, alors, on est quand même en situation de désavantage. On est à beaucoup de pourcents. Et là, tu vois ce que je disais. Ce hobby, il est un peu plus facile à punir pour Bouddha. Et le champ, ça c'est bien fait, on va pouvoir gratter quelques pourcents tout en renvoyant Spec off stage. Le nerf ici en couverture, ça c'est très bien fait. Très bon ledge trap pour l'instant. Le nerf à nouveau, la couverture. Et là on commence à. Oh là on commence à prendre du retard. Après on peut retrouver un mid-waft potentiellement, ça déconnecte ce père. Trouver le grab derrière, attention parce que là avec cette rage Samus va tuer plus facilement. On va trouver un nouveau chomp, ça ne tuera pas mais on se met en situation d'avantage, on va se pouvoir se heal un petit peu avec sur ce missile. Nerf, le tilt. Ça c'est joli, très joli, très belle anticipation. Du coup Spectral qui gagne. Et... Pour la suite, on va avoir Master. Master Jed. Ouais. Master Jed et après. Après. Jed Spectral. Ou Master Spectral.